Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mamie. Si c'est votre toute première fois, je vous invite à vous abonner. Après avoir suivi, laissez vos commentaires, vos pouces et pourquoi ne pas partager. Alors pour aujourd'hui, nous nous retrouvons sur une nouvelle vidéo. Hein, nous le savons tous, c'est presque la fête de Noël. Je suis super excitée. Hein? Donc les enfants sont excités, moi-même je suis super excitée. Alors j'ai acheté la décoration pour Noël. Alors j'ai voulu partager avec vous, je suis super excitée. Youpi, 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 youpi. Moi j'aime beaucoup décorer, surtout pour la fête de Noël. En tout cas, ça me motive. J'aime bien nettoyer partout et puis décorer. J'adore. Alors les enfants sont excités. Demain déjà samedi, on va sortir le Christmas tree pour les enfants. Ils sont tous excités. Alors du coup, j'ai voulu partager avec vous. Donc je vais passer chez Pure One, Canadian Tire et puis Home Sense. Alors je vais partager avec vous ce que j'ai acheté là-bas. J'espère que vous allez aimer. Juste pour vous donner une idée comment décorer pour Noël. Aujourd'hui je ne décore pas. Je vais vous montrer ce que j'ai d'abord acheté et puis il y aura une vidéo qui va suivre sur la décoration, comment j'ai décoré ma maison pour Noël. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Je vais arrêter de parler. Allez, on va commencer. Ok. Là où j'étais partie en première, pour les gens qui me suivent sur Instagram, j'avais déjà posté sur Instagram pour vous montrer, j'étais chez Pure One. C'est là où j'étais passée en première pour la décoration. Je vais vous montrer. Là, je mélangeais le sac de feuilles, le châssis. On va tout sortir. Donc, chez Pure One. Et alors, quand je suis passée là-bas, Ils ont une table qu'ils ont déjà décorée pour la fête de Noël. J'ai beaucoup aimé la table. J'ai trouvé que c'était un peu authentique, si je pourrais dire. C'était super joli. Et lorsque je vu ça, je dis ok, je vais aussi décorer ma table comme ça, mais avec un peu de Mamie dedans. Juste pour ajouter un peu de Mamie dedans, mon accent à moi, et décorer la table, c'était juste magnifique. Alors, je vais ramasser. Je ne sais pas comment appeler ça, c'est comme des bols, je ne sais pas comment je vais dire. Donc je vais ramasser trois comme ça. En fait, mon idée c'est pour décorer avec ça la table des, comment on appelle ça, dining table, la salle à manger, voilà. En fait, c'était ça l'idée. Je me suis dit, ok, quand j'ai vu ça à l'entrée de leur magasin, j'ai tellement aimé, je dis non, 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 je dois prendre ça. Alors c'est 13$, 13,99$, donc 14$. Alors j'en ai pris trois. Comme ça, et puis j'ai pris ça comme ça. Donc j'en ai pris trois pour décorer la salle à manger. Quand je vais placer mes assiettes et tout ça là, et je vais placer ça au milieu. Donc voilà, j'en ai pris trois chez Pure One. C'est à 14$, donc 13,99$, c'est 14$. Donc après, je fais quoi? Et j'ai pris ça aussi juste pour décorer aussi la table. Comme vous le savez, mon deuxième salon, c'est un peu comme il y a plus de gold, plus l'or qui règne là-bas. Alors du coup, j'ai décidé de prendre ça pour mettre sur la table ou même sur le fireplace. Je ne sais pas encore où je vais mettre ça, mais j'ai pris ça aussi. Ça, c'était à combien? Ça, c'était à 3,99$, donc c'est 4$. J'en ai pris deux. J'en ai pris deux. Donc, ça, c'est un. Donc, et puis... voilà, j'ai pris deux comme ça. Et là, donc voici pour Pure One. Alors, ça c'était la toute première fois quand j'étais partie là-bas. Et puis j'ai encore détourné après. Je vais décider d'aller prendre, voilà, Apple Crisp. Pour les gens qui aiment décorer, ils savent déjà la tendance. Apple Crisp, c'est pour la fête de Noël. Donc ça sent super bon. Et dès que j'ai vu ça, j'ai dit, ah, oh, je dois prendre ça. Et là, maintenant, c'est même en solde. Donc, j'achète le truc, comment on appelle ça? Les diffuser. Je l'achète comme ça. Et puis, ça vient avec le, comment on appelle ça? Je vais vous montrer.
ça vient avec le candle. C'est tellement gros, ça vient comme ça. Donc le 2, c'est les Harpocris. Ça vient le 2 comme ça pour 30$. Ce qui n'est pas du tout mauvais. Pendant le temps de fête, ils ont toujours les soldes. C'est le moment dont moi je profite d'acheter mes diffuseurs. C'est ce que je fais toujours, même avec le bougie. Donc ça sent super bien. Donc pour le 2, 30$, ce n'est pas du tout mauvais. Et puis c'est grand, regardez-moi ça. Donc normalement, si tu achètes seulement le candle itself, seulement le bougie, c'est à 23,99$. Ce qui est 24$. Et pour le diffuseur, c'est à 26$. Donc du coup, je parle pour le 2, je les ai achetés à 30$. J'ai beaucoup aimé. Pendant, moi, je suis amoureuse de bougies. Donc je ne sais pas pour vous, mais moi, j'adore les bougies. Je les ai partout chez moi, dans mes chambres, dans les salles de bain, dans toutes mes salles de bain. J'ai des bougies, ça sent tellement bien et j'aime, c'est juste cosy. Et puis, you know, c'est romantique aussi, hein? Là on doit se les dire, c'est aussi romantique. Alors pour, comment on appelle ça? Alors du coup, je vais dépenser combien? Donc pour le 2, je l'ai à 30$, donc voilà, pas pire. Et là maintenant, je vais passer chez Canadian Tire. Alors je vais passer chez Canadian Tire, j'ai pris ça. Ah, le boule là pour décorer le sapin avec. Et là, c'est là. En fait, je ne vais pas utiliser le gold qui est dedans. Je vais utiliser le rouge. Cette année, j'ai dit, comme j'aurai deux sapins à la maison, un sapin, je vais utiliser seulement la couleur rouge et puis la couleur grise. Donc, ce sont les deux couleurs que je vais utiliser pour l'un de mes sapins. Et j'aurai un autre sapin que je vais utiliser seulement le gris et blanc. Donc voilà. Donc les belles dames, là maintenant, c'est à un très bon prix. Partez prendre là, le tout comme ça, je l'ai acheté à 29$. 29,99$. Ce qui n'est pas du tout mauvais parce que dans deux semaines là, vous allez chercher partout. Donc quand je trouvais ça, je lui dis, toi, je dois partir avec toi absolument. À 29$, c'est vraiment un très bon prix. Donc chez Canadian Tire, pour les gens qui habitent au Canada, Canadian Tire à 29$. Voilà. Ça vient avec combien? Ce n'est pas mentionné si ça vient avec combien dedans, mais ça vient avec 80. Waouh, c'est beaucoup. Waouh, 80 ornements, ça va. Donc voilà. Et aussi, ce que je pris chez Canadian Tire, c'était je pris ça aussi. Parce que les autres, c'est un peu petit. Alors, je voulais quand même rajouter les 6 là. Voilà, comme je suis extra, pourquoi pas. Alors, ça, c'était à combien? Je ne sais pas si je peux toujours... Ah, ça, c'était à 8,99$. C'était à 8,99$, ce qui n'est pas du tout mauvais. La raison pour laquelle je ne me suis pas dérangée d'acheter la couleur grise, parce que j'en ai déjà, je l'avais utilisé l'année passée. Alors du coup, j'ai décidé de faire le rouge et puis gris. Donc voilà, Canadian Tire. Alors là, Canadian Tire, qu'est-ce que je prie encore? Oh, oui. Chez Canadian Tire, je prie aussi les rubans. Voilà, des ribbons. Le ruban comme ça, j'en ai pris deux parce que mon sapin est assez long, hein, et puis un peu plus grand, donc j'en ai pris deux aussi. C'était à combien? Je pense que c'était à 5 dollars ou 6 dollars chaque. Donc voilà, chez Canadian Tire, là les prix sont encore gentils. Et là, qu'est-ce que je prie encore chez Canadian Tire? Je pense que tout ce que j'ai eu chez Canadian Tire, là on va passer chez Home Sense. Là où j'ai beaucoup dépensé. Alors, on va commencer. Alors, j'ai pris mes candle holders comme ça pour pouvoir déposer ça sur la table. Je ne sais pas quelle table je vais déposer ça dessus, mais bon, j'en ai pris deux aussi comme ça. C'est vraiment chouette. Ce que j'aime avec ça, ce sont le mélange de couleurs. Donc il y a le vert, il y a le gold, il y a un peu de silver. Donc du coup, je peux décider de mettre ça dans mon salon ici ou soit dans le salon des enfants. Donc tout dépend. Donc voilà. Et ça, c'était à combien? Chacun était à 14$. Ce qui n'est pas du tout vraiment mauvais. Je pense que c'était à...
Ouais, 14,99$, c'est que 15$ pour chaque. Pas du tout mouré, tu mets tes bougies dedans et puis tu mets là. Alors pour décorer pour Noël, c'est sûr que je vais enlever la décoration que j'ai présentement et puis rajouter le 2 dessus. Je ne sais pas trop où je vais mettre ça pour être honnête. Sur le fireplace, je ne sais pas. Sur la table des enfants, sur la table ici dans mon salon, je ne sais pas encore. Je vais décider après. Donc voilà. Ok. Et là, la prochaine chose que je prise, comme je lui ai dit que je vais décorer, ma décoration sera rouge pour un sapin. Alors du coup, j'ai décidé d'acheter le flair là que je vais rajouter dans le sapin. C'est comme ça. Quand je vis ça, je dis waouh, ça c'est vraiment joli. Ils sont comme ça. Donc c'est comme trois dans chaque bouquet. Il y en a trois. Alors du coup, je vais ouvrir et puis je vais insérer dans mon sapin. Et ça c'était à combien? Ça c'était à 14,99$, donc 15$ pour chacun, comme ça là. Donc je vais faire une vidéo où je vais décorer avec vous le sapin. Vous allez voir comment je vais utiliser ça. Et voilà, donc le 2 m'a coûté 30$. Et aussi, j'ai décidé de prendre cet homme ici. Donc c'est lui que je vais mettre au-dessus de mon sapin, donc c'est là. Il est tout beau, quand je l'ai vu, je dis, toi, je dois rentrer avec toi. N'est-ce pas, c'est mignon pour ajouter au sapin. C'est vraiment chou. C'était à combien? C'était à 13,99$ avec son nœud et tout. C'est vraiment chou quand je vois ça, je dis, toi, je vais partir avec toi. Je n'ai jamais acheté une chose pareille, mais cette année, je t'ai tenté. Je ne sais pas pourquoi, mais je t'ai tellement tenté. Donc du coup, je dis, je vais prendre ça. Voilà. Alors, et aussi, j'ai décidé de prendre ça. Ça, c'est la décoration pour mettre le vin dedans. Je me suis dit, je vais prendre ça pour mettre ça. Je ne sais pas trop, à côté du sapin, ou je ne sais pas, je vais créer quelque chose avec. Quand je vis ça, et c'était seulement à 3$. Je dis, je dois t'amener chez moi. Et surtout que j'aurai deux sapins. L'autre qui sera comme blanc et argent. Et l'autre qui sera rouge. Quand j'ai vu les deux, je dis, ok, je vais prendre le deux et je vais voir ce que je pourrais créer avec ça. Donc, le prix est vraiment abordable. 3,99$, 3,99$. Toujours chez Ramsès. Donc, ça s'ouvre comme ça. Oh, vous savez quoi? Ça s'ouvre même pas. Oh, c'est juste une décoration. C'est juste une décoration en fait. Ça s'ouvre même pas. Attends, on va voir. Non, ça s'ouvre pas. C'est juste pour décorer avec. Ok. C'est unique. C'est juste pour décorer. C'était ça aussi mon idée. Juste pour décorer avec. Et voilà. Alors, on va passer au truc. Alors là, j'ai pris ça, c'est tellement joli, avec un snowflake, si je pourrais dire. Donc ça, je dois mettre ça devant mon fireplace, à côté du lanterne. Je vais mettre ça juste à côté du fireplace, je trouve que c'est beau. Avec les snowflakes dessus, ça fait comme si c'était déjà l'hiver. La neige a déjà commencé ici, donc du coup, j'aime beaucoup, j'aime l'idée en fait. À côté du fireplace, à côté du lanterne, c'est juste super. Voilà. Et ça, c'était à combien? C'était à 15$. Je pense que cette année, ils ont beaucoup aimé 14,99$. Ce qui est 15$. Et là, j'ai pris ces sapins. Tout chouette, hein? J'ai beaucoup aimé quand je veux ça. J'aime l'idée. C'était aussi à 14,99$. J'en ai pris deux. Je pense qu'avec celle-ci, je vais utiliser le 2 à mon entrée sur le mur qui est juste à côté. Là où il y a la photo des Owen. Donc j'en ai pris deux aussi. Donc j'en ai pris deux comme ça. Donc je vais l'utiliser à l'entrée. Si ce n'est pas à l'entrée, vous allez le voir quelque part chez moi ici à la maison. Donc je vais décider où mettre ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, donc le 2 comme ça, ça m'a coûté 30$.
Et alors, on va passer. Ah, regardez-moi ça. Je pense qu'on va prendre des photos avec ça comme ça. Hein? Je pense que c'est ce qu'on va faire. Ouais, là j'ai eu mon Rift. C'est vraiment super joli. J'aime le fourrure. Je trouve que c'est vraiment, ça fait moi. C'est vraiment glam. C'est super joli. Surtout que mon idée dans mon salon ici, j'aimerais décorer ça tout blanc et gris. Alors, dès que tu entres déjà, tu sauras déjà c'est quoi le thème de cette année pour mon salon. Parce que ça, je mets ça dehors. Alors, mon sapin ici doit être tout blanc et puis gris dans les deux couleurs mélangées. Donc, ça serait juste waouh. On va décorer ça ensemble avec vous. Vous allez voir à quoi ça va donner. Donc, quand j'ai vu ça, j'étais super content. J'étais vraiment inspirée par rapport à ça. C'est super magnifique. Regardez-moi ça. Donc là, voilà. Donc voici. Donc c'était la toute dernière chose que je vous ai montrée. Donc de toutes les façons, j'ai encore beaucoup à acheter. Parce que là maintenant, présentement, j'ai seulement acheté pour le sapin des enfants qui va avoir la couleur rouge et puis grise. Et puis pour mon sapin, je n'ai pas même encore acheté le sapin ni la décoration pour ça. Donc il y a encore beaucoup à acheter. Donc je vais faire une série de vidéos sur Noël et j'espère pouvoir vous inspirer évidemment. Alors ce n'est que le début. Papy va se fâcher parce que là il me dit tu as commencé. Acheter là. Ils ont maladie non. C'est ce que papy me dit toujours. Mais de toute façon, les hommes ne comprennent jamais. Je dois décorer pour Noël. Les enfants aiment ça. Quand la maison a la décoration de Noël comme ça, ça leur excite évidemment. Donc pour aujourd'hui, j'ai fini par ici. Je vous aime beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, partagez, regardez jusqu'à la fin. Donc c'est ce que j'ai acheté pour Noël. J'espère que je vais décorer avec vous bientôt. Bisous, bisous, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous, commentez. Et laissez vos pouces. Je vous aime beaucoup. Bisous, bisous. Bye.